What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre spécial Resident Evil Revelation. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Bon sang, personne n'a pu survivre à ça. Les rumeurs de leur réapparition sont donc vraies. Alors le piège tendu à Jill Parker, c'était... C'est un piège. Ouais, j'en suis pratiquement sûr. Nous allons chercher Jill et Parker. Rendez-vous en Méditerranée et on vous tiendra au courant. Pareil. Merde. Ce salaud a pris toutes mes armes. Tu peux joindre le QG? Non. Les transmissions sont HS. Merde. On est coincés. Jill! Vous êtes qui, vous? Oh là là là, c'est trop le swag, devrait avoir ça sur tous les jeux. Donc nous voici à l'épisode 3, le fantôme de Vetlo. Donc bah c'est parti. Il me semble qu'on était déjà à l'épisode 3, non? Enfin on verra, on s'était arrêté où dans l'épisode précédent? Alors j'ai vraiment aucune mémoire, c'est impressionnant. Raymond? C'est toi, pas vrai? Le BSAA. Un peu trop tard. Qu'est-ce que le FBC fait ici? Réponds-moi, Raymond. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est pas le moment de se battre. On doit... Arrête un peu. Vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, ni contre qui. Raymond! Ne bouge plus! Rien ne change si on ne se salit pas les mains. Ouais, il me semble qu'on s'était arrêté après un flashback. Alors regardez ce qu'on va faire parce que ouais, c'était grave chiant, je suis désolé. Comme par hasard, pendant la cinématique, il fallait qu'il y ait ça. Alors le FBC voilà, aussi réglé. Est sur ce bateau. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'a aucune information dans cette affaire. Il faut fouiller le bateau si on veut des réponses. Je m'en serais bien passé, mais bon. Ce que je trouve chelou, c'est que vous avez laissé filer Raymond si simplement. En plus, rien que sa gueule, là, on voit qu'il est chelou ce mec. Et ses cheveux rouges là. Vas-y, que je me la répète. Ça ne marche pas. Mais quelle remarque constructive. Alors attendez, on va passer par là du coup. Oh, il y a un monstre à gauche, j'ai entendu. Donc on m'a dit de viser le bas de la tête. Ça ne marche pas. Ah, la langue. Fuck, il met son bras derrière. Enfin, devant, je veux dire. Ah, mais quel bâtard, en plus. J'ai du mal parce que je suis avec une nouvelle manette, là. Une manette un peu bidon. On va pas se mentir. Mais au moins, elle... elle déconne pas. C'est fermé, il y a une... Beurre, est-ce que tu vas porter? Il y a toujours des barres. J'ai bien envie de savoir. Qu'est-ce que cachent ces portes? On va prendre ça. Oh ça y est, on a la clé barre. Oh putain, bah voilà, il suffisait de demander. Ensuite, voyons voir. Il y a la blinde de mun apparemment par ici. Alors pour tout vous dire, je joue avec la manette qui m'a été offerte avec le FIFA 13. Enfin pas vraiment offert. On rajoutait 5€ et on avait une manette genre FIFA. Mais qui se branche. Genre c'est une manette vraiment entrée de prix quoi. Entrée de gamme. Donc bon voilà, elle est pas superbe. Mais elle est solide, les touches déconnent pas. Et voilà, donc on va essayer de s'y habituer un petit peu hein, parce que bon, je préfère m'acheter des jeux plutôt que des manettes, on va pas se mentir. Allez c'est parti, on va ouvrir cette porte. Et on va récupérer encore les munitions hein. Au moins c'est de la valeur sûre. Il y a un plan là. Ah il fallait le prendre, vous avez obtenu plan intérieur haut. On devrait trouver une salle de transmission d'urgence en traversant le hall. Vous avez tenu emblème. Il va nous servir pour ouvrir une porte. Ah, il y a un dossier. Histoire du Queen Zenobia. Tonnage, blablabla. Le joyau de la flotte de Paraguay Line a été construit en 1978. L'intérieur s'inspire des paquebots des années 30, l'âge d'or des bateaux de croisière. L'agencement suit les plans dessinés par George Trevor avant sa mort. Les journaux datant de l'époque de la construction relatent des nombreuses éloges remportées par ce design. C'est tout. C'était pas super intéressant. Mais est-ce que le Queen Zenobia... Oh, il y a un mec là. Il est mort. Oh. Ah, c'est moche. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait de ce mec?
Quelle horreur, ça a dû être une mort douloureuse. Pourquoi? Il est décomposé là. Je vois pas comment elle a pu deviner sa mort. Enfin bref. Bon, on a le plan du bateau. J'imagine que l'emblème il va nous servir à ouvrir la porte qui ne marche pas. Je sais pas, un truc du genre. On devrait aller dans la salle de transmission d'urgence pour essayer de joindre. Tu penses? Bah, attendez. Ça ne marche toujours pas, ouais, effectivement. C'est un ascenseur. Ouais, donc l'emblème il ne sert pas à grand chose dans ces cas-là. Et on va continuer. C'est ça, salle des transmissions, il me semble. Ok, on doit trouver Raymond. Comment tu le connais? On travaillait ensemble. Ça s'arrête là. C'est parti. Mais Raymond, il est parti par où? Ça qui me. Ça... Allez, allez, qu'est-ce qu'il a lu? Attendez, par contre, je suis en galère pour viser et tirer avec cette manette. Putain, parce que normalement, je joue à Naruto avec. Et les TPS FPS, j'ai encore jamais fait. Et je vous jure que je suis un peu en galère. Hop, voilà. On va bientôt avoir un objet de soin complet, nous. Bah, d'ailleurs, j'en ai trois. Attendez, on pouvait fouiller un truc là. Ah ah! De l'herbe verte. T'en as trop pris, gros. Attendez. Ascenseur, c'est parti. N'empêche, j'ai pas envie de dire, mais. C'est pas très accueillant quand même, comme bateau. De tourisme en plus. Cabine du haut. Ouais, c'est cabine du haut qu'il faut aller. Je viens de cliquer sur cabine du haut et le signe c'est descendre. On va pas comprendre. Ah, parce qu'on est au plus haut point du bateau, c'est ça? C'est, on est arrivé. Donc il y a une porte fermée à notre droite. Et j'imagine que c'est. Ouais. C'était celle qui s'ouvrait avec la clé barre. On va trouver des secrets par ici. Y'a rien? C'est une pièce inutile. C'est pas possible, on a dû récupérer une clé et tout. Attends, c'est une blague. Ah non, ah. Qu'est-ce que c'est? Mot trouvé dans la chambre 303. Mais qu'est-ce qui se passe? Des monstres ont envahi le bateau, ils sont en train de tout détruire. J'ai jamais vu d'être semblable. Ils se déplacent avec raideur, mais quand ils vous attrapent, c'est la fin. Ces enfoirés ont mangé mon ami, Hassan, les ordures. Je leur ai tiré dessus. Ça m'a fait gagner du temps et j'ai pu m'échapper. Là-bas, à traverser le bras de l'un d'eux, ces monstres ont les os aussi fragiles que du verre. Je ne peux plus m'enfuir maintenant. Ces créatures ont bousillé ma jambe. Bon sang. Et je suis à court de balles. Dieu seul sait comment je vais pouvoir m'en sortir. C'est génial. Et ça nous servit à quoi, ça? Ça n'a servi à rien. Voilà. Bon, bah, c'est super. Bon, ils doivent sûrement avoir une autre porte qui s'ouvre avec la clé barre, parce que bon. C'était vraiment carrément inutile, quoi. Allez, on va passer hop, par là. Oui, oui, moi je. Regardez-moi ce gros cul qu'elle a. Bon, bah, attendez, mais. C'est pas humain. Ce n'est pas humain, attendez, on va la faire bouger. Regardez ça. Mais c'est pas humain, ça. Le chocolat, il s'est reparti que là, c'est pas possible. Il y a encore des monstres dans les chiottes. Parce que je sais pas s'ils manient chez eux de mettre les monstres dans les chiottes, donc. Du coup, moi, je sais pas où est l'escalier. Voilà, c'est là où on vient. Oui, je chante la chanson Oh Hey, alors j'ai un problème. Par là. Dommage qu'on puisse aller à sa vitesse, mais bon, ça va, les couloirs sont assez courts. Et au final, on s'ennuie pas trop. Ah, c'est, on va atteindre les escaliers. Et il me semble bien qu'il y avait une porte fermée avec le signe de barre dessus. Attendez. C'est bien, il n'y a pas de monstre. Pour le moment, on est posé. Ouais, c'est elle, non? Allez, il fallait que je parle, c'est ça? Oh non, pas lui, il est moche. Quoi? Tu tires des. Tu tires quoi là? Non, mais. Oh! Il me tire des os dans la gueule. Il est mort. Hein. C'est quoi ce truc? Oh, faut pas. On déconne pas avec. Il y en a un autre? Ça, si je lui tire dans le bras, ça, apparemment ça lui fait très mal. Hein. Voilà. Hop. Et c'est une clé encre maintenant, il va falloir, putain. Est-ce qu'on peut. Ah, super. On va pouvoir ouvrir là. Ouais. Oh putain, cette salle. Oh là là, je le sens mal. Il y a un sas et tout.
Allez. Ça va, mon pote, il est là. Wow. Où est-ce qu'il va avoir derrière pour qu'il y ait eu un lag comme ça? C'est quoi, c'est un ascenseur? Oh. Oh, magnifique la salle. Oh là là, la grande classe. Magnifique, franchement c'est magnifique. Ah, faut aller par là. Il y a une il y a des inscriptions là. Note laissée devant la salle de transmission d'urgence. Ok, il y a un mec qui a laissé un petit mot en dessous en disant qu'ils se sont fait buter tout. Bah ouais. On devrait pouvoir trouver cette fameuse clé. Ça y est, on l'a. Ah, c'est fermé, il y a une bouée inscrite sur la porte. Oh merde. Bon. J'imagine qu'elle est à l'étage du dessous. Ah, il y a une réception là. Il recule la caméra. Oh, je le sens mal là. Ah, c'est parce qu'il y a un multiple choix de portes. Attendez, c'est quoi ça? Il y a une vitrine qui a été pétée là. Vous avez obtenu. Ah, des pièces personnalisées, ouais. On va aller là. Eh, attendez, j'avais pas vu une porte ici. Eh, c'est une fausse porte. Non, c'est bizarre. C'est un ascenseur en fait. Bon bah on peut aller que en face. Je sais pas ce qui nous attend. Promenade, il y a marqué. Non. Promenade. Ok. Attends, mais là c'est de là où on vient ça. Non, nous on vient de l'étage. Attends. Oh là, je sens pas. Je sens pas trop leur truc là. C'est encore un gros lag. Ça n'empêche, on voit qu'ils ont bossé sur le jeu. Hein. Là, ils y sont allés. Mais franchement, GG à eux. C'est magnifique. En plus, c'est un jeu 3DS, quoi. De base. On entend des petits bruits, là. Genre des voix. C'est assez monstrueux. Voilà, moi, je donne des coups de couteau. Est-ce qu'on peut soulever ça? Ouais, on peut, normalement. Attendez. Ah, je suis au max de mine de mes pistons. Ah, d'accord, on peut pas. On ne peut pas. On va remonter. Et il y a une porte à gauche. Putain, ces voix là. Oh, ces bruitages sont terribles. Ils sont terribles. Je sais pas. Je sais pas à quoi on doit s'attendre. Est-ce qu'on a d'autres armes? Non, on a toujours que notre petit pistolet de merde. C'est quoi ça? Putain, mais on trouve des mines de fusil et tout, mais on n'a pas. Oh! Ah, tu m'as raté, vieille merde. Je crois qu'il est mort. Non. Ah, oh, je suis en galère avec cette manette pour les FPS. Bon, en même temps, elle doit pas être faite pour ça vu que je l'ai acheté sur FIFA. Comme une merde celui-là. Fuck. Allez, bon, allez, on va se le faire. Bonjour, l'ami. Mais c'est impossible. Ils marchent vraiment comme des couillons, hein. Bah, juste quand j'allais aller attaquer au couteau, il est mort. Et hop, un objet de soin complet. Ah, je suis au max d'herbe verte aussi. Attends, on se soigne de peu alors. Et on va récupérer l'herbe verte, voilà. C'est parti. Voilà. Et on n'a pas encore trouvé un survivant. Je pense pas qu'on va en trouver parce que le seul survivant, tu l'as laissé mourir alors. Ouais. Bon, j'en ai marre de ce boss, putain de la cul de ouf. Non, je vous jure, c'est grave, grave, mais grave, grave chiant, quoi. J'arrive même plus à parler parce que ça fait 5 fois que je commande sur ce boss. Au bout d'un moment, je sais pas, limite, faut aller sur Super Solus pour battre le boss. C'est pas compliqué, il suffit de lui mettre des dégâts. Il y a des bonbonnes de gaz pour les faire exploser sur sa gueule, voilà. Et pourquoi ça marche pas? On va essayer de faire une nouvelle approche maintenant. Allez, viens. Approche pas là. Voilà. On va contourner. On va récupérer les balles qui sont ici. Et on va attendre qu'il arrive dans cette pièce. Arrête de taper mon pote, s'il te plaît. On va esquiver de peu là.
Il est pas mort, putain. Mais meurs, là. Ça va, 30 fois que... 30 balles, il s'est pris, le mec. Dégage. Ouais. Non, mais... Stop, quoi. Ah, voilà, ça y est, il y a l'autre con qui arrive. Et fous-moi ça dans ta gueule. Non, 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 dégage. Poussez-vous, voilà. Je les ai tous attirés dans cette petite salle. Dégage. Allez. Non, pas toi, là. Et on va les attirer sur cette bonbonne. Ils vont tous exploser en même temps, enfin j'espère, faut d'abord que le boss il arrive. On va essayer de les faire, de les retenir. Non, non, pourquoi il tire par la fenêtre? Il s'est cru dans Counter-Strike ou quoi? Non, il va pas m'avoir, il va pas m'avoir, c'est pas possible. Dégage. Vire. Voilà, putain. J'en ai marre là. On va le faire passer par là. Il est mort. Il y a un objet là. Mais j'ai dit qu'il y a un objet là. Voilà. Toi ça dans la gueule. Là, pour le moment j'ai fait un sans faute sur le boss hein. Merde. Parce que j'ai compris là je fais un sans faute. Enfin si la stratégie c'est vraiment de lui faire exploser des bonbonnes de gaz. Mais je vois que ça. Des bonbonnes de gaz, tu fais exploser des bonbonnes de gaz sur le boss. Comme dans tous les Resident Evil hein. Allez ça va passer, ça va passer, ça va passer, je vais. Non. Putain vire. Elle est là-bas. Va là-bas. Bouge ton cul par contre. Mais putain, mais tu vas mourir un jour dans ta vie, toi. Non mais je vous jure, j'ai jamais vu ça. Oh merde. Peut-être que le scanner c'est la bonne solution. Ça m'a rien dit. Ça m'a absolument rien dit dessus. Ce scan, c'est un scan qui est inutile. Un scan qui me donne pas d'indication pour buter l'ennemi, quoi. Non, mais qui a inventé ce scan de merde? Attendez, mais j'ai pas oublié une bonbonne de gaz quelque part. Ah, oui, vite, 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 vite. Bouffe-moi ça. Il va mourir, il va mourir. Toujours pas. On garde la, cette balle, on va dire que c'est la balle stratégique. D'avoir une autre bonbonne, c'est pas possible quelque part là. Quelque chose pour me sauver la mise, je sais pas. Putain, mais il y a des bulles de fusil à pompe et tout, mais j'ai pas de fusil à pompe. Là, là, vite. Mec, mon pote, arrête de viser n'importe où là. Tire sur lui, tire lui dessus là. Allez, bouge. Oh, putain, non. Lui, bah, voilà, c'était obligé qu'il me fasse ça. Lui. Bon, je crois que j'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable. Putain, mais j'essaie de leur faire faire des tirs alliés, ça marche pas. Ouais, c'est génial, je me suis coincé. Bon, on va voir que je trouve un truc là. Faut que je les feinte. Non. Oui, le coup de pied ça va le repousser. Non, ça va pas repousser. Putain. Bouge, viens, bouge, 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 bouge. Allez. C'est quoi ce boss? Non, je me suis coincé. Non, attendez, est-ce qu'on peut sauter? Oui, on peut sauter, on va attendre qu'il arrive.
saute. Tout ça pour lui caler une balle quand même. Putain, mais j'ai un peu l'impression que mon pote sert à rien quoi. C'est quoi, je peux le récupérer ou pas l'objet? Bah non, je peux pas. Putain, mais il est derrière la porte, ça me saoule ça. Non, putain, je croyais qu'il faiblissait, mais il envoyait un piège. L'esquive de merde. Allez. Et tu vas faire quoi? Si te les brise, moi aussi ça me les brise, tu vas faire quoi là? Bah vas-y, fais quelque chose. Putain. Ah, il y a un objet là. Quoi? Aucune cible, il y a un objet, tu me dis. Récupère l'objet. Des munes de pistolet, c'est génial. Putain, je crois que ça allait être un truc super important, genre la clé bouée là. Bah non, dans ton cul, tu l'as pas la clé bouée. Elle est sûrement sur l'officier, le boss là. Putain. Comment je me suis fait prendre par le piège quoi. Non mais voilà, j'étais coincé contre le mur aussi. Putain, mais il va tomber à terre pour que je lui mette un coup de poing à la gueule. Mais tu as pas vie, putain, tu peux pas juste d'aide, ça m'arrangerait. Non. Putain, mais lâche-moi. Faut que je trouve du soin là, faut que je trouve du soin. C'est urgent. Oh, ça commence un peu à me saouler grave là. Non mais ça me saoule parce que, regardez, il est mis de fusil à pompe, mais j'ai pas de fusil à pompe. Attendez, on va faire quelque chose. Objet, munitions. Et c'est quoi? J'ai pas le truc d'arme. Pièce personnalisée, mais on s'en bat les boules de ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on est tombé sur le genre de boss invincible, c'est ça? Putain, mais à chaque fois il me fait des faux espoirs et j'avais plus qu'une balle. Bon bah j'ai plus qu'une technique à faire. Quoi? Il m'a poussé dans le piège ce bâtard. Mon pote, je crois qu'il est en bas. Hein. Je sais même pas sur quoi il tire depuis tout à l'heure. Dégage. Ouais bah vas-y, tranche-moi la gueule, je dirai rien. Faut que je trouve un objet. Soigne-toi, j'ai plus de soin. Oh merde. Et là il y a un piège, faut pas que je le bouffe, voilà. Oh non mais c'est fini là, putain, non mais j'en ai marre. 20 minutes à taper un boss non-stop et il meurt pas quoi. Bon, on va lire ce journal, je crois que c'est la seule solution. J'ai bien fait de monter sur la promenade, j'ai assez mangé à boire pour un bon moment. J'entends encore des choses là dehors, elles griffent la porte à la recherche d'une proie mais elles n'entreront pas. J'ignore si c'est d'être survivant, mais je pense que je vais m'en sortir, blablabla, parce que soit je me suis entraîné du coup. Heureusement que j'étais réveillé quand ça arrivait, à partir d'un an, je me dormirai plus profondément. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit après la petite fête surprise d'hier, j'ai les nerfs à vivre, si seulement il y avait d'autres survivants. Fatigué aujourd'hui ne me sent pas très bien. Pas être malade, n'aurait pas dû bouger. Dégarder les forces, j'espère que les attentes ne vont pas me trouver, je comprends plus. Est-ce que je suis infecté ou est-ce que c'est juste un rhume? J'ai une bosse sur la tête, ça fait mal, j'aimerais avoir quelqu'un à qui parler, je suis si seul, ça fait combien de jours, j'ai trouvé quelqu'un à qui parler, je suis content. C'est drôle, il connaît de bonnes histoires. Son visage est trop proche du mien.
petit. Vous voulez tout manger, manger de la viande. Puis la tête, il mâchait, manger, pas de la viande. Pour moi, ça va l'air bon, sa tête, elle a l'air bonne. Suis-moi qui l'aide, à l'aide, pitié, m'aider. Viande, viande, mange, viande. C'est génial, ça me donne aucune indication pour le buter. Putain. Oh là, il est carrément faible. Mais sauf que moi, je vais mourir avant lui. Faut que je l'amène voir mon pote pour que mon pote s'en occupe, non? Alors, je trouve une herbe verte, vraiment, ça m'arrangerait. Hein. Attendez, je vais les examiner, comme ça, je récupérerai du soin. Allez, vite. Putain, mais prends aucune cible. Yes. J'ai toujours pas de soin, je vais mourir. Ouais, super, des cartouches de fusil à pompe, j'ai pas de fusil à pompe. Ah, encore un qui spawn, tant qu'à faire. Hein. Oh, que cible, allez. Yes, j'ai le 100%. Ouais. Ouais, je vais pouvoir aller me battre maintenant. Il a l'air vraiment très faible, donc c'est le moment. Il y a une lumière qui clignote, là, je sais pas c'est quoi. Putain, il y a un piège, comment je fais pour passer? Non mais meurs là, je t'en supplie, meurs. Quoi? Je sais pas d'où il m'a touché, mais il m'a touché. Ça y est! Oui! Oh. Alléluia. Putain. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Non, faut pas que je meure maintenant. C'est la clé de la salle de transmission d'urgence. Putain mais... Ouais. On se trouvera infesté de monstres. Vite. Je vais me tailler là. Même si c'est pas là où il faut que j'aille tout de suite, je m'en fous. Oh putain, faut que je me pose quelques secondes là. J'espère qu'en ouvrant la porte, il n'y a plus de monstres derrière. Allez, magie, je t'en supplie, plus de monstres. S'il y a toujours du monstre. Ouais putain, non. Comment je fais? Je suis obligé d'attendre qu'il tire. Non. Putain, ça fait trop mal. Allez. Meurs pas, Jill. Voilà. C'est quoi? Vous avez tenu étui, carte, fusil à pompe. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Putain, mais je m'en fous de cette merde. Eh, je suis où là? On peut se barrer par là? Non, c'est toujours fermé. Là, il y a un truc. Putain, on était pas obligé de passer par la feu. Je pensais que j'allais trouver une herbe verte ou un truc comme ça. Ça fait quoi si je suis là? Ah, ça va, on est passé de l'autre côté, c'est bon. On est sauvé. Ouais, là, Jill, elle est en train d'agoniser. Hein. En fait, c'était pour revenir, sa merde. Oh là 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 là. Allez, vas-y, qu'il y a une moto qui a fait bien du bruit là. Bon. Je crois que je vais mourir. Si ça me refait faire le boss, je pète un câble. Hein. Non, Julien, esquive, je t'en supplie, fais une esquive. Mais vire là, mais vire-le ce connard, vire-le. Voilà. Voilà, allez, Julien, allez, t'y es presque, t'y es. Allez, putain, te prends pas de mule de loin, ouais. Ça ne marche plus, ça doit être verrouillé, allez, on va déverrouiller par cette merde. Allez, vite, allez. J'espère qu'on perd pas de vie si on se plante à ce truc. Hein. Genre à la Dead Space, là, ça me ferait péter un câble. Comment ça marche déjà ce truc? Ah bah voilà. C'est tout con. Bon. C'est pas comme si je pissais le sang, mais je pisse le sang là. Hein. Oh les mecs. Oh j'ai grave mal à la tête là. je sais pas combien de minutes de vidéo vous êtes, mais moi ça fait une heure, voilà, ça fait une heure que je filme. Tout ça pour me faire le boss. On va où? Au pont ou à Prou? Ben on va au pont apparemment. Oh putain. Je t'examine la gueule, connard.
Allez, il me faut du soin parce que j'aime pas du tout avoir le contour rouge là. Attendez. C'est peut-être pas par là qu'il fallait aller. Non, je pense qu'il valait mieux aller. Il valait mieux aller au pont promenade. Attendez. Putain, j'ai. Ah, mon oreille. Putain. Ah, est démontée. Ouais, genre, voilà, je retire le casque 2 secondes. Je garde le micro quand même. Juste pour que mes oreilles se reposent. Parce que je sais que vous voulez une vidéo plus longue, forcément. Vous devez pas être à beaucoup de temps de vidéo. Attendez, là, je crois qu'on est revenu au point de. Ouais, on est revenu. Ah, mes oreilles, je vous jure, ça m'a démonté là. Ah, elles me font mal à force de garder le casque là. Donc, on va à la proue. Ah, ça m'a niqué. Et là, je sais pas où on est. On n'est jamais allé ici. Là, il y avait 20 mines de pistolet. Il me faut du soin là. Je vais pas tenir sans soin. 20 mines de pistolet. Là, il y a des grenades. Okay, en fait, c'est un endroit pour se ravitailler ça. Ah, super. Putain, voilà exactement ce que je voulais. Il y a un coffre avec un lecteur de cartes. Et je n'ai pas de carte. Je peux plus récupérer une munch au max. Et là. Pareil. Lecteur de cartes. Et l'autre porte. Lecteur de cartes aussi, j'ai l'impression. Ok. Bon, il va falloir récupérer un pass VIP pour venir ici, apparemment. Donc, on va retourner au pont. Et j'imagine qu'il va falloir se faire le chemin arrière pour ouvrir une porte avec la clé proue. Donc, on va au pont, voilà. Oh, je me suis niqué. Attendez, j'essaye de d'écarter au max les deux branches du casque, mais ça veut pas. Mais j'ai une tête énorme, les gens. Je vous jure, ma tête est immense. Je sais pas pourquoi. Et du coup, putain, les casques me font super mal. Je vous jure que c'est pas pratique. Enfin, vous devez sûrement l'imaginer. Hein. Y'a pas un objet là. Oh, j'ai trouvé un étui à balle de pistolet. Bah voilà, ça va m'être utile, tu vois, par exemple. Parce que l'étui à balle de fusil à pompe, c'est génial. Hein, quand t'as pas de fusil à pompe. Putain. En plus, je me demande bien où il fallait le trouver, ce fusil à pompe. Parce que bon, j'ai fait tout. Combien de fois j'ai été bloqué et que je me suis tapé toute la map, j'aurais dû la trouver depuis longtemps, hein, l'arme. Bon, allez, hop. On va se reprendre l'ascenseur. Pourquoi l'ascenseur était pas à notre niveau? C'est bizarre ça. Il y a des gens qui se baladent. Camille du haut, j'imagine. Hey man. Oh yeah. Tu te fais des trucs au canard dans l'ascenseur? Non? Bon, tant pis. Dommage, hein, j'ai des grosses fesses. C'est genre. Attendez, on va passer par là. Hop. On va ouvrir cette porte. Je crois qu'il aurait fallu que j'aille aux cabines du bas en fait. Mais bon, tant pis. On va faire à pied. C'est tout aussi bien. Hein. Il faut savoir marcher dans la vie. Hein, il faut bouger 30 minutes par jour. C'est ça, ils l'ont dit à la télé. Allez, Jill. Bouge ton gros popotin. On va arriver là. Tac. Je parle plus trop parce qu'il faut que je me reprenne un peu. Mais non, mais c'était pas là. Sérieux? Ah non, non, voilà. Ça y est, j'ai compris. Il va falloir repasser par les barres. Et après, j'imagine qu'on va trouver une clé pour l'encre. Et voilà, on va être bon. Après, il y a toujours la bouffe dans les assiettes. Ça va, ça charge déjà beaucoup moins. Parce que c'est vrai que ça aurait été chiant de se retaper de chargement. Fallait que je parle, hein, c'est ça? Allez, ouvre-toi, s'il te plaît. Oula, attendez. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous attend d'avoir porte, je sens mal. Non? Attendez. J'ai une de ces impressions là. Je sais pas pourquoi. Bon bah ça va être derrière la prochaine alors. Ah bah tiens, le mec en rouge d'ailleurs. C'est un bout de temps qu'on l'a pu croiser. Je prépare mon flingue. Bah de toute façon il y a une cinématique. Raymond.
On arrive tous les deux trop tard. De quoi est-ce que tu parles? Créatures ignorantes qui ne nous connaissaient pas encore. Vous deux. Le temps de la parole est venu. Regardez. Tu veux que je renouvelle la couleur désespérée qui, seulement d'y penser, oppresse le cœur. Notre cher ami au masque. Mais si mes paroles doivent être une semence d'où sortira l'infamie pour le traître que je ronge, tu me verras pleurer et parler tout ensemble. Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas. Le monde est entre nos mains. Voici le virus Théabis. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète. Laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il s'y tente. Envoyez une équipe à Vaikkonen Moki. Il faut trouver ce bateau, Brian. Oui, bien reçu. Je vais envoyer Quint et Kiss. Quoi? Vous deux, préparez-vous à décoller. Oh, je déteste la neige. C'est la neige qui te déteste. Ramenez tout ce que vous trouverez sur Veltro. Rien. Je croyais que la Méditerranée ressemblait à un gros lac. Sois patiente. Un bateau en pleine mer, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Sans blague. Mais ça ne résout toujours pas notre problème. Dis, tu m'écoutes au moins? On va te retrouver, Jill. Je te le promets.